Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Tout se passe très bien pour moi. Je vous salue avec le plus grand respect. Alors, j'attends mon invité. Hop. J'attends que mon invité. Ah, ok, ça y est, il est connecté. Allô, mon Fazoku, Oui. comment tu Ah, vas? mon gars, ça va, mais cette fois-ci là, ce n'est pas venu avec l'option du mode audio. Donc, bon, ça fait rien, on va aller en vidéo. On va aller en vidéo. D'habitude, quand la demande vient, ça vient avec comment on appelle, ça présente l'option participer en audio et je clique là-dessus. Donc, cette fois-ci, Ah, quand c'est d'accord. venu, ça n'a pas présenté cette option-là. Donc, on y va. Bon, on va faire comme on peut, hein, on y va. Alors, bonjour, Oui. bonjour déjà à tous, bonjour à toutes. Merci de partager la vidéo, de mettre les cœurs, les pouces, les pieds, tout ce que vous voulez. Mettez vos organes. Parce qu'aujourd'hui, nous venons entre Ivoiriens parler de la Côte d'Ivoire et particulièrement, je dirais pas répondre au message du président Thiam, mais juste donner notre point de vue sur le discours du président Thiam qu'il a eu à faire à l'occasion du 7 août, qui est une fête, bon, qui est une fête d'anniversaire, voilà, puisque depuis le temps qu'on a donné le nom Côte d'Ivoire, là, c'est le nom de la fête, là, c'est voilà, c'est la fête de la Côte d'Ivoire, puisqu'elle est née apparemment à cette époque-là, à cette date. Donc, les gens, ils se fêtent la naissance de cet endroit qu'on appelle Côte d'Ivoire. Voilà. Mais pour moi, ce n'est pas une histoire d'indépendance, pas du tout. Voilà, ça, il faut que ce soit clair. Beaucoup de gens qui me connaissent le savent. Et on vient, en fait, pour essayer de donner notre petit mot, en plus notre grain de sel, notre avis par rapport à ce que le président Thiam a dit. Son message a été vraiment bien fait, correct, beau décor, belle prestance, beau discours, c'était vraiment propre. Au niveau de la communication, il n'y a rien à dire. Chapeau aux gens qui s'occupent de la communication de M. Thiam. Et bonjour à tout le monde. Hein. Aujourd'hui, là, on ne lit pas les commentaires parce qu'on veut vraiment rester dans le vif du sujet, pour ne pas perdre pied par rapport à ce qu'on dit. Et on veut vraiment que les choses soient dites. On ne veut pas oublier un mot. Voilà. Alors, nous disons que nous sommes en train de donner notre avis, de donner, on va dire, des choses qui sont très importantes par rapport au message du président Thiam, parce que j'ai une impression. J'ai l'impression que le président Thiam est de très bonne volonté. Il veut vraiment que les choses changent au pays. Il veut vraiment que vraiment qu'il y ait cette paix que nous avons connue au temps d'Oufouet-Boigny. Il veut vraiment retourner aux choses que nous avons connues dans le passé, pour nous qui avons vécu un peu plus longtemps que les jeunes de la génération 2000. Donc, quelque part, on regarde ça, on constate vraiment que le monsieur, il en a gros sur le cœur parce qu'il est triste de voir la Côte d'Ivoire souffrir comme ça, les Ivoiriens surtout en particulier. Et il veut vraiment que les choses redeviennent à la normale. Mais, comme on dit, il y a un souci. C'est que nous ne sommes plus en 1970, nous sommes en 2024. Et les choses ont complètement changé. Le monde a complètement changé et les réalités des Ivoiriens ont complètement changé. Quand je regarde le président Thiam, je sais, j'ai pas dit je pense, hein, j'ai dit je sais que le président Thiam, il est un peu, je vais vous faire une image, c'est un peu comme le blanc, l'homme blanc qui est en France, par exemple, qui aime l'Afrique, qui compatit aux problèmes des Africains, qui veut vraiment que les Africains aient leur liberté, tout, 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 et qui déteste le racisme. Mais il n'a jamais
été dans la peau d'un noir qui a vécu le racisme. Donc, il ne sait pas ce que c'est que subir ce que l'homme noir vit de façon quotidienne dans les pays, où c'est, les pays des autres. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il a la bonne volonté, hein, le blanc. Il veut vraiment, il a envie, mais il ne sait pas exactement ce que le noir ressent quand on l'insulte, quand on le brimade, c'est ça, non? Quand on lui envoie des brimades, oui. Quand on lui manque de respect, quand on le néglige, on le rabaisse, enfin, toutes sortes de saletés. Beaucoup de gens le savent de quoi je parle. Monsieur Thiam, c'est un peu le blanc, mais qui est ivoirien. Mais je ne dis pas qu'il est blanc, hein, ça n'a rien à voir. N'allez pas dans tous les sens. Je dis simplement l'état d'esprit. C'est le monsieur qui est né dans une bonne famille en Côte d'Ivoire, une famille qui ne manquait pas à manger, à qui ne manquait pas à manger, tout. Il a fait de très bonnes études, il a été dans les très bonnes écoles, il a été boosté, coopté pour arriver vraiment au plus haut, plus son intelligence et son travail et son abnégation. Il est redevenu ce qu'il est aujourd'hui. Mais M. Thiam n'a jamais vécu à Yopougon, bien à Bobo, ou bien dans les quartiers précaires, pour ressentir vraiment la vie des Ivoiriens. Il y a quelque chose qui... Tu peux couper le son? Je ne sais pas, il y a quelque chose. Il y a des échos là. Ça va? Coupe le micro. Je ne sais pas. D'accord. Allô? Ouais, c'est bon, je crois. Ça va là. Donc, je pense que le président Thiam n'a pas vécu ce que les Ivoiriens actuellement qui sont chassés des maisons et tout ça là ressentent au plus profond de leur chair. Il n'a pas vécu ce que les citoyens les plus pauvres ressentent vraiment dans leur âme, dans leur esprit, dans leur chair. Donc, ce qui fait que, quelque part, quand il parle de paix, quand il parle de violence et qu'il ne veut pas voir la violence, il ne veut pas voir, il veut la paix, il veut pas la violence, il veut pas que les gens rentrent dans les invectives et tout ça, je peux comprendre que lui, ça le choque parce que ceux qui sont dans la violence, ceux qui veulent faire la violence, ceux qui en ont marre, qui n'en peuvent plus de souffrir, ben, n'ont pas le même niveau de compréhension de la situation actuelle. Donc, automatiquement, les gens sont un peu en porte-à-faux. C'est-à-dire, quand je dis les gens, c'est-à-dire, je parle de M. Thiam lui-même qui est dans son beau costume, dans sa maison avec sa sécurité et tout tranquille, et ceux qui sont maintenant dans les quartiers pauvres, là, les plus nombreux, qui ont envie d'un changement immédiat. Même si c'est dans la violence ou bien dans quoi que ce soit, l'essentiel c'est que ça change parce que on dit Kabrimon n'a pas peur de couteau. Celui qui est couché, il ne peut pas tomber. Ceux qui sont déjà, finis là, ils savent que qu'il advienne que pourra. Donc ils peuvent se dire que moi, je peux me lever, me sacrifier, même faire quelque chose pour que peut-être à la fin de mon sacrifice il y ait quelque chose. Ça là, il ne faut pas omettre ça. Je demande à M. Thiam vraiment avec toute la politesse, tout le respect, qu'il pense à ces gens qui n'en peuvent plus et qui ne veulent même pas entendre parler de « Non, les gars, on n'a qu'à s'asseoir, on va discuter, on va faire la paix avec les gens du RDA. » Parce que je précise bien, hein, avec les gens du RDA. Je n'ai pas dit avec le PPACI, je n'ai pas dit avec Soro Guillaume, je n'ai pas dit avec tous les autres, non. Je dis avec les gens du RDA qui ne sont absolument pas dans cet état d'esprit. Ils ne respectent rien. Ils ne respectent pas les lois, la constitution du pays. Ils ne respectent pas les lois. Ils ne respectent pas la vie humaine. Ils ne respectent pas le citoyen lambda. Ils ne respectent absolument rien. Et en plus, avec l'arrogance au-dessus, comme une cerise sur un gâteau, ils parlent comme ils veulent à qui ils veulent. Ils insultent même le président Thiam lui-même. Tous les jours, il lui manque de respect, il lui parle n'importe comment. Mais M. Thiam, lui, il est encore dans son petit monde de « Non, on va mettre les gens sur la liste électorale, d'accord, ok, on va faire des élections inclusives, des élections justes et transparentes. » Avec le RDA. Avec le RDA. Vraiment, M. Thiam, avec tout le respect que je vous dois, parce qu'on dit, c'est voir les Ivoiriens quand ils disent, avec tout le respect que je vous dois, c'est parler pour parler mal après. Non, ce n'est pas pour parler mal. C'est pour dire que je ne suis pas d'accord avec votre approche. Nous ne sommes pas d'accord avec votre approche par rapport au fait qu'à un moment donné, encore, on va revenir dans les mêmes erreurs que le président Bédié a fait en faisant confiance à ces individus-là. Le président Bédié a fait
confiance au RDR en 2010. Le président Bédia a fait confiance au RDR en 2015. On a vu ce qu'ils ont rendu au président Bédia en 2020. On a vu, nous tous on a vu, hein, on est tous témoins. Ils ont passé l'outrecuidance, c'est-à-dire que jusqu'à les séquestrer le président Henri Konan Bédié dans sa demeure, envoyer des gars en lequet déjà, pour manquer le manque de respect à la personnalité du président Bédié, pour aller le menacer dans sa maison. Et le président Bédié a eu le courage de dire « Je ne sors pas, je ne viens pas, et vous aussi, vous voulez me tuer, tuez-moi ici. » Et c'est avec cela là aujourd'hui que parler de paix, de dialogue, non. Moi, je tiens à dire, on va pas faire toute la vidéo, je vais laisser mon frère Zoku aussi commencer à parler parce que si je m'en vais, on va pas quitter ici comme on dit. Donc, mon frère Zoku, enlève ton micro là, je crois, tu as bloqué. Merci, mon frère, j'espère qu'on m'entend bien. Oui. Voilà. Ce que tu as dit est correct, et moi, je vais aller dans ton sens. Un, tu as parlé de la forme. Oui, la forme, elle était bien, sa présentation est agréable, il a de l'élégance, sa tenue, sa posture dégage quand même quelque chose de beau et de plaisant. L'expression de son visage, sa gestuelle, ça montre qu'il maîtrise les codes de la bonne communication, les codes de la forme, les codes de la forme de la bonne communication. Voilà. Et même sa présentation vestimentaire, le vert synonyme de couleur de l'espoir, le vert c'est la jeunesse, un fruit avant de devenir rouge il est vert, c'est la jeunesse. La renaissance. La renaissance. Et puis l'assortiment des couleurs, les couleurs n'étaient pas cassées, il y avait un assortiment, une continuité. Mm-hmm. Le costume est vert, la chemise à rayures verte, la cravate verte. Chapeau pour la présentation, chapeau pour les codes formels, c'est-à-dire dans la forme de la communication. Maintenant, comme le dit notre frère Bois Kouassi, au niveau du contenu, c'est au niveau du contenu qu'on voudrait amicalement, fraternellement, lui faire certaines suggestions. Parce que dans son discours, il y a quand même des temps forts que si Bois Kouassi permet, je peux faire une sortie. Oui, bien sûr. Sortie l'idée selon laquelle l'indice de développement humain a connu une dégringolade depuis la mort d'Oufoué jusqu'à aujourd'hui. Il a donné les chiffres. Depuis 1993, il a donné les principales évolutions jusqu'à ce qu'on se retrouve aujourd'hui en 2024. Et c'est les faits. Il y a une dégringolade notable. On a perdu plus de 20 places. Il a donné les chiffres. Moi, je ne me rappelle pas. Mm-hmm. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, n'oublions pas que ce bon classement qu'on avait naguère, qu'on avait autant de fouet, c'était les fruits de l'atmosphère de paix. Il a parlé de ça. Et il a incité les gens à ne pas oublier l'histoire. C'est-à-dire, n'oubliez pas que ce qu'on a vécu, c'est en partie dû au climat de paix. Et puis, il a, comme l'a dit Bois Kouassi, insisté pour dire que lui, il est pour la paix, paix, paix. Il évite tout ce qui est violence, tout ce qui est conflit. Et malgré les attaques qu'il reçoit, il est toujours dans le registre de la courtoisie et le refus des injures. Et il dit aux jeunes que la violence, c'est une solution qui tente quand on est jeune et on est démuni. Mais il garde les jeunes de ne pas y recourir parce que les conséquences sont dégueulasses. Voilà, donc il invite les gens à renoncer à la violence, à renoncer. Et l'un des temps forts, il dit ceci, je vois venir à l'approche de 2025 des politiciens sans scrupules qui nous envoient vers la violence, le conflit et la division. Il faut faire attention. Tonton le grand Otiam, il faut faire attention. Parce que ça fait penser à Gbagbo, qui malgré le fait que son nom n'est pas sur la liste, il est prêt à engager le combat pour que son nom soit sur la liste. Quand tu dis, tu vois des gens à l'approche de
2025 qui nous engage vers la voie du conflit et de la division, ça peut faire penser à ça. Des gens qui veulent en découdre. Bien sûr. Voilà, Damana Picard a dit, tout ce qui est en notre pouvoir légalement pour mettre son nom, on va le faire. Donc, ça suppose qu'on n'est pas des enfants, ça va vers des conflits. Donc, ce n'est pas bien de dire des politiciens sans scrupules. Ça va même créer la division que vous voulez éviter. Peut-être que c'est pas peut-être qu'il s'adresse aux politiciens sans scrupules du RDR comme Mamadou Touré, qui raconte des bêtises tous les jours sur les plateaux, ainsi que M. Adjoumani. C'est une possibilité. Mais dans ce cas, il faut qu'on commence à être clair dans nos discours en Côte d'Ivoire, afin qu'il n'y ait pas d'équivoque. Il n'y ait pas d'équivoque. Voilà. Donc, continue. Voilà. Excuse-moi. Je pense que ta précision est bonne. Ta précision est bonne. Parce que de l'autre côté, on veut que les choses changent. On montre qu'on se mobilise. On est prêt pour aller au combat. Et connaissant ceux qui sont en face, on sait qu'ils ne vont pas céder. Donc, il y aura affrontement. Donc, voilà. Comme le dit Boissy, quand le grand dos, tiens, parce que tu es notre grand frère, regarde, on a les cheveux blancs, mais tes cheveux sont encore plus blancs. Donc, tu es notre grand dos. Donc, à l'africaine, on t'appelle le grand dos. Sauf ton respect, tu es notre grand dos, tu es aussi notre modèle. Quand tu dis ça, sans donner des éléments pour bien préciser, pour faire la part des choses, on peut mettre dans le même panier tous ceux qui sont prêts à aller dans des postures d'affrontement. On peut les mettre dans le même panier. Alors que je suppose que la visite que tu as rendue respectueusement avec Babo en lui serrant les mains, ça montre qu'il y a une possibilité de collaboration. Donc peut-être qu'à l'avenir, il faut user des termes avec le tact que tu as pour ne pas que certains se sentent visés par tes propos. Voilà. Donc, il y a ça. Bon, maintenant, avec votre ton courtois, vous parlez du bilan du président Ouattara. Vous vous réjouissez de ce qu'on ait eu cette Coupe d'Afrique qui a créé un élan vraiment fabuleux. Et vous avez déploré la façon dont les déguerpissements se sont faits. Vous avez la façon dont les égrépissements se sont faits et vous invitez le pouvoir désormais à faire les choses dans les normes, selon les normes internationales. Et vous engagez le président à aller dans le sens de ce que lui-même il a dit, accélérer les indemnisations. Et vous dites que, voilà, à ce propos, dans la mesure où vous félicitez sa disposition à accélérer les indemnisations, c'est un gage que vous n'êtes pas là pour insulter et que vous êtes capable d'encourager les bonnes actions. Voilà. À mon avis, il y a un peu trop de mollesse à l'égard d'Alassane Ouattara. Il y a un peu trop de mollesse. Parce qu'il a fait la barbarie, il a marché sur le droit et il met des familles dans la précarité. Il brise les vies des gens. Donc, à mon avis, vous devrez dénoncer l'illégalité, la barbarie. Vous ne devrez pas avoir une approche, oui, je l'engage à respecter les procédures. Non, c'est trop mou. Regardez ce qu'il a fait. Déposséder les gens de leur village. Déposséder les gens de leur terre ancestrale. De leur culture, de leur tradition. Voilà, il faut des mots un peu plus forts. Il faut un peu des mots plus forts. On vous connaît, on ne demande pas d'injurier. Mais avec le tact qu'on vous connaît, la dernière fois, qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez pris la parole avec un ton doux, vous avez dit, on ne gouverne pas pour un seul camp. Tout le monde a applaudi. Ça n'a pas été violent, mais ça, c'était fort. Donc, avec votre manière de parler avec douceur, mais vous devez dénoncer avec force. Voilà. Et puis la CAN. Féliciter Alassane pour la CAN, c'est bien. Mais c'est l'encourager à la barbarie, parce que tout ce qu'on a dépensé pour la CAN, il aurait été mieux qu'on n'organise pas et qu'on réserve cet argent-là pour dédommager les gens qu'on doit déguerpir. Faut pas se mettre aussi facilement dans les sillons de Ouattara. Hein, le grand Otiam, ça lui fait trop de cadeaux. Logiquement, quand on s'assoit là, on ne devait même pas organiser cette CAN
Et puis tout l'argent qu'on a pris par endettement pour organiser, pour faire la meilleure canne, là, réserver ça pour négocier les déguerpissements et puis bien indemniser les gens, c'est plus logique à mon avis. Enfin, moi, je n'ai jamais géré, mais c'est plus logique. Ne vous engagez pas facilement dans les petites, dans le jeu de Ouattara. Vous valez mieux que ça, hein, le grand dos. Donc, voilà ce qu'on voulait dire. Et à la fin, vous avez aussi dit que vous avez parlé des élections. Vous avez dit que vous souhaitez le nombre des recensés, le nombre des gens inscrits sur la liste électorale est insignifiant et que logiquement, on devrait aller jusqu'à 4-5 millions d'hommes présents sur la liste électorale. Là, c'est parfait. Et que pour être présent, il faut faire les papiers, avoir la carte d'identité, avoir la carte d'électeur. Et c'est dans ce sens-là que vous allez. Et vous voulez un changement, mais il faut que les gens aient leur carte d'électeur. Voilà. Mais quand vous faites ça et que vous vous arrêtez là, c'est comme si vous faites semblant de ne pas savoir qui est en face. C'est comme si vous faites semblant de ne pas savoir qu'ils ont mis 2 millions de personnes qui n'ont ni père ni mère. Habiba Dembélé a démontré ça et ils n'ont pas démenti qu'il y a 2 millions qui n'ont pas de papa ni maman. Ils n'ont pas démenti, malgré le fait qu'ils n'ont pas démenti. Ils n'ont rien fait pour enlever ces gens-là à Patrick. Ils n'ont rien fait. Et c'est à des gens comme ça. Vous parlez comme si tout est normal. Allez vous inscrire, on va voter. Vous ne parlez même pas du découpage. Vous avez fait les maths. Le découpage-là, ça répond à quelle arithmétique? Rien. Des zones sous-peuplées qui ont 3-4 fois plus de communes que d'autres zones sous-peuplées. Vous ne parlez pas de ça? Comme si c'est normal. Inscrivez-vous. On va faire le changement par le vote. Tout. Voilà. Alors que vous-même au PDCI, on ne vous a pas arraché Bassam. Ezali est là, il peut témoigner. On a tenté de vous arracher plateau. Ça a été de justesse et au forceps. Et c'est parce que. Et au plateau, c'est parce que tous les Ivoiriens se sont mis dedans. Ce ne sont pas que les gens du PDCI. C'est tous les Ivoiriens qui ont participé à cette fronde-là et le pouvoir en place a reculé. Parce qu'ils savaient que s'ils continuaient un peu plus fort et qu'il y avait des blessés ou bien des morts, eh bien, automatiquement, l'image de Ouattara allait être écornée. C'est par rapport à ça qu'ils ont cédé à cause d'une élection législative. Sinon, les gars ils n'allaient pas lâcher. Hein. C'est comme avec cette histoire de... comment il s'appelle Wonien, à l'époque, avec l'ancienne du RDR, là, qui est avec Soro maintenant. Comment il s'appelle l'avocate là. L'avocate... la fille de la fille de Boban Morifé. Oui, voilà. Voilà. Afissata Bamba. Voilà, Afissata Bamba. Ben, elle avait fait une vidéo où elle chantait, dansait, qu'elle avait gagné. Je me rappelle très bien, j'ai vu cette vidéo. Oui, peut-être le champagne, parce que les officines de la CEI avaient commencé à tricher. Mais heureusement que les gens du PTCI ont été très vigilants, plus avec l'appui des Ivoiriens sur tous les réseaux sociaux partout qui ont divulgué ça partout, ça fait que le RDR est obligé de reculer. Ils ont été obligés de reculer. Et ils ont donné vraiment la députation à Mme Moyen. Donc, franchement, où on est arrivé aujourd'hui là? Excuse-moi, j'ai repris la parole sans... Mais... Bon, donc je vais conclure rapidement. Oui. En fait, tu emboîtais dans ce que je... Voilà, Tu as enchaîné dans ce que j'ai dit avec plus d'éléments. Avec des preuves. Dire que, avec des preuves factuelles pour dire qu'on ne peut pas tranquillement dire non, allez vous faire enrôler, sans parler du combat qui nous reste à mener pour purifier cette liste-là et pour dissoudre ceux-là. Pas faire comme si le problème n'existe pas. Donc voilà ce que je pouvais dire. Et mon frère Bois Kouassi, je te redonne la parole. Pour ton développement. Oui, alors moi, je voudrais revenir sur cette histoire de paix. La paix, la paix, la paix à tout prix. Moi, je suis d'accord, hein, j'aime la paix. Vraiment, j'aime la paix. Je suis pacifique, mais je ne suis pas pacifiste. Je suis pacifique, mais je ne suis pas pacifiste. Ça, là, il
faut que ce soit bien clair. C'est-à-dire que si tu viens marcher sur mon pied là, il y a te goguener d'une manière. Maintenant, si je ne peux pas te goguener, faut être sûr que je vais déléguer pour qu'on te goguenne. Parce que je ne suis pas le plus fort du monde. Quelqu'un plus fort que moi peut venir me faire quelque chose. J'ai dit, ok, d'accord, j'ai compris, tu es plus fort. Mais je te promets, sur tout ce que je cherche, que je vais déléguer pour qu'on te goguenne aussi. C'est comme ça la vie, avec moi. Je suis pacifique, je n'aime pas parler. Je ne cherche pas parler aux gens, je n'aime pas les histoires, machin, truc. Mais il ne faut pas me chercher. Tu me cherches, soit ils te goguennent, soit si tu me goguennes, on va te regoguenner. Ça, à la fois, tu sais. De ça. C'est comme ça, ça n'y a pas de pardon, il n'y a pas de truc, c'est comme ça, ça est. Donc, je disais que cette histoire de paix, si tu veux être en paix, la première des choses déjà, pour avoir la paix, il faut être fort. Pour avoir la paix, pour dire que moi je suis un pacifique, je veux la paix. Yo, il faut avoir le fangant qui va avec. Parce que quand les gens, tu marches dans la rue, là, et puis les gars te regardent, et puis les gars veulent te provoquer, tu dis, lui là, attention, hein. Il va te limer d'une manière. Tu as la paix. Tu passes tranquillement parce que les gens ne te provoquent pas. Parce que tu es fort. C'est là que tu as la paix. Mais si tu es fleque, fleque, et puis tu dis j'aime la paix. Mais tu es dans ton fleque, fleque, là. Tu es un beau gosse ou bien tu as une belle go avec toi. Et puis dans ton fleque, maintenant, il y a quelqu'un qui est plus fort que toi. Voir ta belle go là. Et puis il vient, puis il la prend. Et puis il dit il s'en va la violer. Toi, ton fleque, tu aimes la paix là. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas laisser ta go partir, tu vas sauter, tu vas pleurer, tu vas faire ce que tu veux, mais ta go va partir, le gars, puis va aller la violer, comme ça se faisait à une époque. Mais si tu aimes la paix, tu es fleque, fleque, tu te promets d'être ta go. Et puis maintenant, quand le gars vient, puis il veut prendre ta go, puis tu fais prrr, et puis ça sort de partout, des fleques, fleques, par centaines de milliers, avec machette, avec daba, avec pilon. Ils viennent maintenant devant le costaud pour dire, hé, faut laisser notre frère, sinon toi là, on va finir toi. Peut-être que tu as tué, peut-être 5-6 ans nous, hein, mais nous, on va finir toi. Automatiquement, le gars va dire, ah, aujourd'hui, on dit, les gars, là. Et puis, il va laisser la go au calme, parce qu'il est intelligent, il sait qu'il va mourir pour rien. C'est de ça qu'on parle. Quand tu veux la paix, soit tu es fleque, fleque, vous êtes en bouillie, vous êtes nombreux. Donc, celui qui est fort, mais qui n'est pas beaucoup là, lui, il va écouter au moins la voix de ceux qui sont nombreux. Parce qu'il sait que si jamais il tente là, quand il y aura le clash, c'est vrai qu'il va tuer beaucoup, hein, mais à la fin, là, lui, là, il ne sera plus là. Ça, là, dans toute l'histoire du monde, depuis la création de l'humanité, c'est comme ça que l'histoire a fonctionné. Je n'ai jamais vu quelqu'un aller demander à quelqu'un, « Faut me respecter, s'il te plaît. Vraiment, je te demande pardon, respecte-moi. » Je n'ai jamais vu ça. Vraiment, il faut me laisser tranquille, il ne faut pas m'embêter. Je te demande pardon, il ne faut pas m'embêter. Et puis, le gars, un gars de mauvaise foi, hein, il dit, « D'accord, ok, j'ai compris. » Je n'ai jamais vu ça. Toujours, les gens, quand ils ont la force, ils vont faire ce qu'ils veulent jusqu'à ce que quelqu'un les arrête. Aujourd'hui, là, nous sommes à un tournant de notre histoire où le RDR, par A plus B, a prouvé que ce ne sont pas des gens qui respectent la loi. Ils ne respectent pas l'homme, ils ne respectent pas la Constitution, ils ne respectent personne et rien que leur président Dramane Ouattara. C'est tout le reste, là, venez avec vos louvoiements, venez avec vos belles formules de français, venez avec tout ce que vous avez comme politesse, comme soumission, mais quoi que ce soit. Tant qu'ils peuvent vous écraser, ils vont vous écraser jusqu'à ce que quelqu'un les arrête. C'est de ça qu'on parle. Donc quand on parle de paix, la paix c'est bon, oui, mais la paix, là, on en parle quand on est fort avec beaucoup de gens derrière. Pas un seul parti politique. Un seul parti politique ne peut pas battre Ouattara. Dans les conditions où nous sommes actuellement. Même dans les conditions même normales même. Parce que c'est comme en France, l'Assemblée nationale. Macron, quand il a dissous, là, il pensait que oui, ça allait revenir, machin, truc. Même si ça a été trafiqué, ou bien je ne sais pas ce qu'ils ont fait, une chose est sûre, à la fin, là, on a vu que personne ne peut commander parce que nous tous, on a un peu de tout. C'est dans ça qu'on est arrivé au pays. Les seuls qui pourront changer les choses, ce sont des Ivoiriens déterminés, réfléchis, qui ont compris dans quoi ils sont et qui veulent changer toutes les choses et qui font le sacrifice, malgré leurs différences, malgré leurs divergences, de se mettre ensemble pour chasser le RDR. Paix, la paix encore, je vais parler de la paix. La fameuse paix de Foulbouani. Mais vous pensez que quoi? Le président Foulbouani, il a eu la paix pourquoi, à votre avis? Le président Foulbouani a eu la paix parce qu'il faisait exactement ce que l'Élysée lui disait de faire.
le président Oufet Boigny avait la paix parce qu'il faisait exactement ce que l'Élysée lui disait de faire. Je reprends pour une troisième fois. Le président Oufet Boigny a eu la paix et parlait de paix parce qu'il faisait exactement ce que l'Élysée lui demandait de faire. Le jour où il a commencé à essayer de faire autre chose, c'est là que ses problèmes ont commencé. Quand il a commencé à se plaindre par rapport au prix du café et du cacao, c'est là que les gens ont commencé à changer la bourse. Ils ont profité de la crise mondiale du pétrole pour mettre le café et le cacao dedans à Londres. Je me rappelle. Ils ont commencé à inventer une histoire bidon là pour dire que oui, le prix du café et cacao va chuter, machin truc. Oufet Boigny a pleuré à la télévision dans une vidéo où il a dit que s'il savait. Mais il était déjà malade, affaibli. Ils ont profité de ça. Comme des lâches, comme toujours, comme les gens agissent. Pas de fond parce que Oufet Boigny était devenu assez puissant financièrement, il était devenu assez puissant de façon influente, mais il était faible sous sa santé. Il était faible, il avait vieilli. Il ne pouvait plus rien. Il a essayé de faire ce qu'il peut pour sauver la Côte d'Ivoire, mais le peu qu'il a construit en Côte d'Ivoire, là, c'est grâce au fait que, de façon intelligente, le peu qu'il avait là, par rapport à ce que la Côte d'Ivoire produisait comme richesse. Parce que beaucoup d'Ivoiriens ne savent pas ça. La Côte d'Ivoire est un hub économique. La Côte d'Ivoire est une puissance économique en matière de richesse. C'est-à-dire qu'on a des paysans qui travaillent dur, qui fournissent des produits que nous vendons dans le monde, qui font des richesses à travers le monde. Mais ceux qui sont les premiers à acheter ces produits, à prendre ces produits-là, c'est eux-là, avec le franc CFA. Là. Quand ils le vendent maintenant en dollars ou bien en euros, ou bien en francs français à l'époque, ben c'est eux qui faisaient des marges pas possibles. Et le petit reste en golo qu'on donnait au Oufet Boigny avec son CFA, c'est avec ça qu'il a construit le plateau, il a construit Cocody, il a construit Marcory, tous les quartiers, les gens que vous voyez là. Aujourd'hui, là, moi, je ne sais pas qui est venu construire plus qu'au Oufet Boigny. Hein. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Il a construit Yamoussoukro avec le peu qu'il avait. Les gens ont vu ça. Ils ont vu que la Côte d'Ivoire était en train de monter au même niveau que la Corée. Ils ont dit non, ce n'est pas possible. Si ces Africains, ces nègres là, deviennent aussi puissants que les Coréens, mais on ne pourra plus les diriger, on ne pourra plus les commander. Donc, il faut arrêter ce miracle ivoirien, comme on l'appelait à l'époque. Il faut l'arrêter à tout prix. Oufet Boigny a même été très intelligent de créer la caisse TAP, de créer une caisse de péréquation, de créer des banques sur le côté, au cas où, quand les années de disette vont venir, on pourra puiser dedans pour pouvoir régler nos problèmes. Mais la corruption à l'époque, qui a été favorisée, qui a été... Les gens ont vu que ça se passait comme ça, mais ils étaient bien contents parce qu'ils savaient que la Côte d'Ivoire allait tomber dans un trou à une époque bien donnée. Et c'est ce qui s'est passé, ça n'a pas loupé. Ça n'a pas loupé. Donc, le président Oufet Boigny parlait de paix, tranquillement, parce que jusqu'à ce que les problèmes commencent à venir en Côte d'Ivoire, il faisait textuellement ce que l'Élysée lui disait de faire. Maintenant, le président Bédié est venu tomber dessus. Après lui. Mais le président Bédié a pris de plein fouet les répercussions de ce que le président Oufet avait commencé à faire quand il a commencé à dire non, je ne suis pas d'accord. Vous comprenez, non? Et le président Bédié, quand il est venu, il a demandé maintenant à faire les 12 travaux de l'éléphant, commencer à parler avec la Chine, commencer à parler avec d'autres partenaires. Et le président Bédié, comme par hasard, qui a commencé à faire autre chose, il n'a plus la paix. En 99, on l'a enlevé. Les soldats ont commencé à tirer dans les rues, à faire des choses. Il n'a plus la paix. Vous comprenez? C'est simple. Hein? Et après, maintenant, le président Gbagbo qui est venu, qui dit que lui aussi, malgré le fait qu'il soit... tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Malgré le fait qu'il soit francophile, à l'époque, il était francophile à l'époque, le président Gbagbo. Il avait ses amis au Parti Socialiste, il avait les Henri Emmanuelli, tous ses amis qu'il appelait jumeaux et tout ça, les gars avec qui il causait, les Bernard Colombe, machin, avec qui ils ont fait les études et tout ça là. Lui s'est dit que ce sont ces gars. Ils vont travailler ensemble pour que la Côte d'Ivoire avance, évolue. Mais quand les gars demandaient maintenant quelque chose au président Gbagbo, le président Gbagbo disait non, mais il ne sait pas pour qui celui-là. Mais il ne sait pas pour qui celui-là. Là. Il ne sait pas que c'est comme ça, ça a toujours fonctionné. Qu'est-ce qui lui est arrivé au président Gbagbo? Une rébellion, bim! Qu'est-ce qui lui est arrivé au président Gbagbo? Ah non, il est infréquentable. Et qui dit ça? C'est un gars du Parti Socialiste. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Vous ne voyez pas que
il y a quelque chose. Quand les gars là, ils voient que ce qu'ils mangent sur le dos des Africains, sur le dos des Ivoiriens, depuis la création de cette colonie ivoire, ce qu'ils mangent dessus là, ils ont fait semblant de nous donner hymne national, drapeau, gendarmerie, police, semblant d'armée. Et puis ils ont déposé là. Mais le même système est le même. C'est le même système qu'elle a. L'argent, parce que c'est de ça qu'il s'agit. L'argent que la Côte d'Ivoire produit là continue de rentrer dans les mêmes tuyaux, dans les mêmes canaux pour aller maintenant fournir la Banque de France. On parle de ça, les gens sont fâchés. Non, c'est pas vrai, non, c'est faux. C'est la vérité. À travers le CFA simplement, quand tu sais déjà automatiquement que le CFA est fabriqué à la Chamaillère, même pas sur nos terres à nous, hein, c'est fabriqué par d'autres personnes qui contrôlent ça. Le jour où, beaucoup de gens n'ont même pas fait attention à ça, le jour où l'économie ivoirienne commence à aller là, dans les CFA, là, ça commence à tourner, on commence à faire des richesses, on commence à mettre de côté là. Bizarrement, les pièces de monnaie pour faire la monnaie, là, ça disparaît. Combien de fois il y a eu pénurie de pièces de monnaie en Côte d'Ivoire? Je pose la question aux Ivoiriens qui sont là. Vous n'avez jamais remarqué? Ah, il n'y a pas monnaie. 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 Vous pensez que c'est quelque chose qui est tombé du ciel comme ça, il n'y a pas monnaie? C'est facile pour freiner une économie. Tu donnes des billets à quelqu'un, c'est lui qui utilise. Mais si tu veux le faire chier, tu arrêtes de donner la petite monnaie pour qu'il puisse faire ses transactions. Et puis maintenant, l'économie chute. Et quand c'est chuté au niveau qu'on veut là, maintenant on remet encore la monnaie. C'est aussi simple que ça. Les gars contrôlent. Et puis des gens chantent la bitchanesse. On est indépendant. Le 7 août. Mon frère, quoi? Oui, mon frère. Bravo pour ton développement. Bravo pour ton développement. Vraiment, faut rebondir sur ça. Oui, merci. Merci. Non, mais il fallait que j'explique cette histoire de paix là. Parce que quand on parle de paix, la paix, et ça va avec M. Thiam, on dit la paix. La paix, il a fait une allusion au président Foulbogny, vrai ou faux? Oui. Mais la paix du président Foulbogny, ce n'est pas la même paix que nous aujourd'hui. La paix du président Foulbogny, c'est parce que le président Foulbogny se calquait sur ce qu'on lui disait à l'Élysée. C'est pour ça. Le jour où il a commencé à dire « Ah, je ne suis pas d'accord », c'est là que les problèmes ont commencé à envoyer, les problèmes ont commencé à tomber, et c'est là que tout d'un coup, tout à coup, soudain, brusquement, M. Ouattara a apparu, vrai ou faux? Quand M. Foulbogny, le président Foulbogny, là, a commencé à dire que je ne suis pas d'accord, non, le café, le cacao, là, le prix, là, n'est pas bon. C'est pas là que Ouattara a apparu, en 90, 89. C'est là qu'il a apparu, avec les plans d'ajustement structurel et les ceci et les cela du FMI, qui ont trouvé une nouvelle technique encore pour exploiter les pays africains, avec la monnaie du CFA. Et la même chose. La Côte d'Ivoire est un puissant outil qui fabrique des richesses. La Côte d'Ivoire que vous voyez là, le pays, la Côte d'Ivoire, là, c'est un pays qui a une force de travail, qui a une force. Les Ivoiriens sont intelligents, les Ivoiriens sont forts, les Ivoiriens sont bons dans ce qu'ils font. Ça, là, on ne peut pas, on ne le dit pas assez, on ne le dit pas assez. Les Ivoiriens sont forts. Et Foulbogny a posé les bases de ce système-là en mettant des écoles supérieures à Yamoussoukro, en créant des cadres vraiment dynamiques qui se vendent dans toute la sous-région et dans le monde entier. Foulbogny a eu une nez creux en formant les gens. Il a eu une nez creux parce qu'il a dit la bataille, là, maintenant, il ne peut pas, hein, parce que je n'ai pas d'armée, je n'ai rien du tout contre les gens. Là. Mais demain, là, il y a des jeunes Ivoiriens qui vont venir, qui vont faire le job et ils vont délivrer ce pays-là. Il a fait le travail. C'est ce qui fait que les gens là sont crambas sur nous parce que la Côte d'Ivoire fournit trop de richesses, trop d'argent qui s'en vont. On ne sait pas où ça va. On ne sait pas qui prend. Mais les restants angolais qui nous restent là aujourd'hui, ça ne nous suffit plus. Ça ne suffit plus parce que la population s'est multipliée par X. Donc, je reviens oui. Encore, sinon il va me frapper. Voilà. Mon frère, il va me frapper. Voilà. Je reviens sur M. Thiam. Donc, quand M. Thiam parle de paix, là, quand M. Thiam parle de paix, là, ça n'a rien à voir avec la paix de Foulbogny, je suis désolé. Ça n'a absolument rien à voir avec la paix du président Foulbogny. Aujourd'hui, on est dans la guerre. Aujourd'hui, là, c'est la vérité qu'il y a là qu'il faut dire aux Ivoiriens. On est dans la guerre. Il y a des gens qui ont l'habitude depuis les années Tchoué, 1900 Tchoué, c'est-à-dire 1890, 1900, et machin truc, de s'enrichir sur la Côte d'Ivoire. Ils ont l'habitude, ils ont fait leur circuit, ils ont le blé qui rentre dans leur poche. Chaque fois, c'est comme ça. Aujourd'hui, là, l'Afrique se réveille. Beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup d'Africains ont compris que
il est impossible de continuer comme ça. L'argent qu'on fait en Côte d'Ivoire, maintenant, ça n'a qu'à venir dans la poche des Ivoiriens d'abord. Tout ce qui est richesse en Côte d'Ivoire, ça n'a qu'à venir dans la poche des Ivoiriens d'abord. On est fatigué de voir des Ivoiriens pauvres sur un pays qui est riche, qui fournit beaucoup de richesses. Donc, il faut juste changer les mécanismes de création de richesses pour les mettre dans la main des Ivoiriens. Et avec le contrôle des Ivoiriens, maintenant, l'argent, là, ça ne va plus au Liban, ça ne va plus au Maroc, ça ne va plus dans tous les pays du monde là où ils font leur argent, ça reste en Côte d'Ivoire et ça fait tourner l'économie de Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. C'est là où on arrive aujourd'hui, puis je dis, on est en guerre. Maintenant, quand on veut ça, là, ceux qui ont l'habitude de manger sur le sang et la sueur des Ivoiriens, eux, ils ne veulent pas. Eux, ils ne veulent pas. Donc, ils vont créer des problèmes, ils vont créer des choses, ils vont faire des choses en sorte qu'on va voir, rien n'est normal, tout est bizarre, c'est difficile, c'est compliqué, il y a des terroristes ici, il y a ceci, cela. On est en guerre, M. Thiam. Nous sommes en guerre. Je suis désolé, hein, ce n'est pas avec les belles paroles de non, on veut la paix, on veut la paix. Ça, c'est, ce temps-là est révolu. Vraiment, je donne un conseil à mon grand frère, M. Thiam, s'il veut faire la politique du foot Boigny, là, c'est mort. C'est mort. Ça ne passera plus aujourd'hui. Là. Nous sommes en guerre. Et quand tu es en guerre, là, il faut faire en sorte que tu deviennes une menace pour ton ennemi. Quand tu deviens une menace pour ton ennemi, c'est là que lui commence à t'écouter. C'est là qu'il commence à te respecter. Sinon, quand tu es toujours un petit chat, miaou, miaou, là, puis ton ennemi te regarde, là, il va toujours te shooter, il va toujours faire ce qu'il veut avec toi. Et aujourd'hui, l'ennemi de la Côte d'Ivoire, c'est le RDA, qui défend les intérêts de ceux qui mangent dans ce pays-là, qui mangent et qui sucent le sang et la sueur des Ivoiriens. Donc, on ne peut pas dire qu'avec cela-là, on va s'asseoir pour dire oui, on va parler de paix, de fraternité, de compréhension, parce qu'eux, ils s'en foutent de ça. On a vu ce qu'ils ont fait au président Bédi, hein, jusqu'à sa mort. Moi, j'ai pour preuve ça seulement, hein, ce qu'ils ont fait au président Bédi jusqu'à sa mort. Là. Mais j'ai dit que je m'assois et puis je regarde M. Draman et puis je dis, mais comment on peut être aussi cynique? Comment on peut être aussi ingrat? Comment on peut être aussi méchant pour faire ça à quelqu'un? Et puis maintenant, vous qui êtes les enfants de Bédier, du président Bédier, vous allez venir encore, il va se retourner dans sa tombe. Il va se retourner dans sa tombe. Les gars, on n'est plus au Coco Disco de Cocody, hein, les bluffeurs de Cocody qui portent les Alden, Polo, Ralph Lauren et machin, tout. C'est fini ce temps-là. Hein. C'est fini ce temps-là. Puis on n'est plus nombreux. Hein. Nous ne sommes plus. Maintenant, il faut compter les gars d'Abobo, il faut compter les gars de Yopourou, il faut compter les gars de Sikensi, il faut compter les gars de toutes les villes de la Côte d'Ivoire, hein, qui ne sont pas les petits-enfants choco comme nous là. Quand je dis comme nous là, je parle des enfants de Cocody parce que je suis de Cocody aussi. C'est terminé, ça, ce temps-là, où on veut revenir au temps de l'oxygène, au temps de ces choses-là. C'est terminé. Maintenant, on est dans Zouglou, maintenant, on est dans Coupé-Décalé. C'est eux là qui font la différence. C'est eux qui vont voter et puis ça va faire la différence. Ce n'est pas nous, les gars de l'oxygène, on est fini maintenant. Hein. On est plus nombreux. Hein. Donc, il faut vraiment revoir le discours autrement et faire en sorte que les Ivoiriens se remettent ensemble, marchent ensemble, en un seul groupe, derrière une seule idée, faire partie le RDA de ce pouvoir-là. C'est-à-dire que faire en sorte déjà que la commission électorale soit révisée totalement, que les personnes là, qui veulent voter là, soient vraiment mises sur les listes, que vraiment découpage régional et machin, tout ça, là, ce soit refait, que vraiment tout revienne à la normale d'abord. Mais si vous n'êtes pas capable d'avoir un langage de rupture avec le passé pour prendre en compte maintenant les nouvelles générations, les gars, nos gars de Yopougon, d'Abobo, de tout ça, si vous ne pouvez pas prendre en compte les coupés décalés et les Zouglous, là, Funky, là, ça ne va pas aller quelque part. Disco, là, ça ne va pas aller quelque part. Ça va pas aller quelque part. Coupe ton micro, s'il te plaît, je finis. Ça ne va pas aller quelque part. C'est terminé, ce temps-là est fini. Aujourd'hui, il faut ouvrir les yeux, il faut regarder les jeunes qui sont dans la rue, là. Ce n'est pas des gars de Coco Disco, ce n'est pas les gars de Funky, de robots, quand on cassait le robot, tout ça, c'est fini tout ça. Là. Où on était les petits privilégiés, les chocos de Coco Disco, c'est fini tout ça, Riviera, c'est fini. Aujourd'hui, le pouvoir, c'est à la main des gars d'Abobo, Yopougon, Kumasi, Trècheville, tous ces quartiers-là, les jeunes, là, c'est eux-là qui comptent maintenant. Ce n'est plus nous, là. On est petits. On n'est pas nombreux. Donc, si jamais
les gens qui sont toujours dans les rêves de bluffer, de se bluffer, de récupérer ce que papa avait avant, l'autre nom de Choco d'avant là. Joe, la vérité sur le terrain, vous serez peut-être 15%. Il faut compter avec la jeunesse, les nouveaux, les enfants de maintenant qui veulent manger. Ceux qui sont fatigués d'aller dans le désert, d'aller des tilapias. C'est ceux-là, là, c'est ceux-là qu'il faut convaincre avec un langage clair, terre à terre, qui vont comprendre. Sinon, quand on va venir les gros langages de IDH et de ceci et de cela, machin, tout, les gars vont vous regarder comme ça. Et puis, vous allez être étonné que dans les urnes, ça sera différent. Vous allez être étonné que dans les urnes, ça sera différent. Oui, mon frère. Oui, bon, je te signale que tu as enflammé les messages. Déjà, on est à 43 000 personnes qui sont sur les directs. Tes propos sont accueillis avec euphorie. J'ai vu même quelqu'un qui a mis « wow », mais il a supprimé ça. Les Lorraine Palou, les Clindier qui pitonnent, on t'envoie des bisous des cœurs, les reines Georgette Begré, vraiment, tu soulages. Ce que tu dis, ça soulage beaucoup. Mais c'est la vérité. Voilà, donc, pour embrayer sur ce que tu es en train de dire, il faut que on ait à l'esprit que, comme tu le dis, paix, Doufo Boigny, le temps de paix où on a bénéficié de la prospérité et de la tranquillité, c'était à une époque, puis c'était à une certaine vision. Il ne faut pas rentrer en conflit avec les Français pour développer tranquillement. Et pendant ce temps-là, il faut former des gens qui allaient transformer les matières premières, Doufo l'a dit, et c'est avec ceux-là maintenant qu'on allait aller à la vraie indépendance. Donc, il calmait le jeu à les Occidentaux, le temps de former les gens, les Tiam, les Dombelo, les Katina, et quitte à eux maintenant d'aller aller arracher l'indépendance économique. Donc, c'est le jeu Doufo. Donc, si on reste dans le jeu Doufo pour continuer, il faut après, mais le combat de l'indépendance ne sera jamais mené. Voilà. On ne va jamais se mettre sur la route de l'AES. Donc, voilà ce petit truc-là qu'on voudrait dire à notre grand-do. Il faut qu'il ait quand même un discours de combat. Il faut qu'il ait... On le connaît, il ne donne pas dans les injures, mais chaque fois qu'il a dit des choses fortes, même avec son style doux, mais les gens ont réagi spontanément. Donc, voilà, pour une voix Kwasi, c'est bien, paix, mais... Faut pas dérouler la paix pour que Cuibière continue de frauder en paix. C'est pas de cette paix-là on parle. Voilà. Faut pas dérouler la paix pour que tranquillement on exproprie les gens de leur village et on les empêche de se mobiliser pour réclamer leur dû. On dit paix et Bakongo vient macheter les gens pour casser leur maison et puis on continue, ça va pas quelque part. Faut pas parler de paix alors que les premiers impactés de 2014 pour la construction du métro urbain, les gens qu'on a déguerpis pour 2014, on n'a pas encore fini de les indemniser aujourd'hui en 2024. Donc, on ne peut pas regarder cette anomalie-là et puis dire non, il faut la paix, mais c'est permettre aux gens de commettre leurs abus en paix. Voilà. Vous voyez, la paix n'a pas la même signification pour les lions que pour la gazelle. La paix, ça n'a pas la même signification pour le lion et pour la gazelle. La paix pour le lion, c'est que faut pas un chasseur va venir se mêler dedans. Lui, il va attraper la gazelle et la manger en paix. La paix pour la gazelle, il y a l'herbe qui est là, faut qu'on la laisse manger en paix. Donc, si la gazelle veut compter sur la paix pieuse de la nature, mais elle n'est pas à l'abri du lion. Donc, la paix pour la gazelle, ça l'amène à s'armer, à se mettre en groupe, parce que le lion, lui, il ne calcule pas. Il ne regarde pas la beauté de la végétation. Lui, il doit attraper les gens, étrangler, puis les manger vivants. Vous voyez ? Mais pour rebondir sur ce que toi-même, Bois Kwasi, tu m'as dit. Tu m'as dit aujourd'hui que quelle est la nation qui est la plus en paix aujourd'hui ? Tu dis c'est la Chine, personne ne les embête. Pourquoi ? Ils sont dans les relations commerciales et tout. Mais les gens sont conscients de leur technologie, qu'ils ont des armes de dissuasion, et puis ils sont là. Personne ne les embête. Ils ont la paix. Regardez la Russie. Présentement, ils n'ont pas la paix parce que, ayant détruit l'URSS,
les gens se sont réarmés pour étendre l'OTAN jusqu'à vers chez eux. Quand il a vu ça, il dit « Ah non !» Il s'est réarmé. Et si tout se passe bien, après la fin de la crise ukrainienne, il se peut que Poutine ait maintenant la même paix que la Chine. Parce qu'il leur aura montré des couleurs. Regardez la Corée du Nord. On parle sur eux, ils sont comme ça. Oh, c'est un régime rétrograde. Mais ils ont la paix. Qui vient les menacer? Qui vient les inquiéter? Ils ont la paix. Parce qu'ils ont la marque atomique. Regardez l'Iran. On continue de les fatiguer. On continue de les mettre sous sanction. Quand il y a des élections, on monte des ONG par Soros pour faire des revendications, des manifestations. Et pourquoi? Ils se battent bien, mais ils n'ont pas encore l'arme nucléaire. C'est pour ça qu'on continue de les fatiguer. On dit non, tu enrichis tôt, on les surveille, on les met sous sanction, tout pour tout. Ils se battent, mais ils n'ont pas le niveau de la Corée où l'arme nucléaire est déjà là. Quand l'arme nucléaire sera déjà là, on va arrêter de les embêter. La Russie, on les a embêtés parce que c'est vrai, ils ont l'arme nucléaire, on les a embêtés, mais parce qu'ils étaient en déconfiture. L'URSS s'était démantelé, ils comptaient sur ça, sur l'affaissement de l'URSS pour faire des accords de dupes, comme la paix de Daoukourou entre Bédié et Ouattara. C'est pour ça qu'ils ont fait les accords de Minsk pour s'entendre que non, on ne va pas étendre les frontières de l'OTAN, tout, tout, tout. Mais profiter d'une petite distraction rentrée par l'Ukraine. Voilà, donc, voilà ce qu'on peut dire dans le bois, quoi, si je crois que... Non, mais la Russie, là, ils sont en paix. C'est-à-dire que les gens, là, c'est en Ukraine qu'ils font leur ourourou, là. Personne ne rentre en Russie, hein. Eux tous, ils disent, ah, non, nous, on n'a pas affaire à la Russie, hein. Nous, on n'a pas affaire, on ne va pas aller attaquer la Russie directement. Eux tous, ils bavardent, hein. Oui, on va attaquer les soldats russes sur le territoire ukrainien. Mais qui a cœur de rentrer en Russie? Ils connaissent ce qu'il y a dedans. Ils connaissent ce qu'il y a dedans. Les gens, là, ils ne s'arrêtent que quand la menace en face est conséquente. D'accord. Et c'est exactement comme ça que le RDR agit. Ils ne vont s'arrêter que quand en face, il y aura une menace conséquente. Tout à fait. Vous vous souvenez, à l'époque même, parlons rapidement, à l'époque du président Gbagbo, quand les rebelles ont voulu attaquer, ils sont passés par Mbayakro, et puis ils ont voulu... venir sur Abidjan, tomber sur Abidjan, parce qu'ils ont essayé plusieurs fois. Hein. Et puis les FDS du commandant Conan Boniface les a soigneusement corrigés à Mbayakro. Vous vous souvenez de ça, non? Ou je crois même que le Zagazaga a perdu sa vie là-bas. Quand les gars ont vu qu'en face, là, pardon, quand les gars ont vu qu'en face, là, il y a Gaston. Tu as posé la question, je ne me rappelle pas de tous les détails. Mais je me rappelle que Conan Boniface, vraiment, il s'est fait respecter. Il a fait respecter. Voilà. Mais les gars se sont arrêtés là. Ils se sont arrêtés là. Ils ne pouvaient plus parce qu'ils ont vu qu'en face, il y avait quelque chose. Mais où on est arrivé là? On veut tous la paix. Moi, je veux la paix. Franchement, je souhaite la paix. Je veux vraiment la paix. Mais la paix, là aussi, des fois, il faut qu'on soit aussi fort. Il faut qu'on soit aussi une menace en face de ces gens-là pour qu'eux aussi nous respectent, qu'ils commencent à respecter les lois, qu'ils commencent à respecter vraiment tout ce qu'il faut respecter pour que la justice soit pour tout le monde. C'est tout ce que nous on demande. Mais si tu veux venir avec un langage chatoyant, un langage vraiment doux, qui va dans le sens du poil, M. Ouattara fait du bon boulot. M. Ouattara fait rien comme bon boulot ici. Mais c'est la vérité. À un moment donné, il faut dire la vérité. M. Ouattara fait du bon boulot pour ses amis, qui investissent en Côte d'Ivoire, pour les gens qui ont des intérêts dans la Côte d'Ivoire. Là, oui, il fait du bon boulot pour eux, mais il ne fait rien pour les Ivoiriens. C'est la vérité. Le politicien qui n'est pas capable de dire clairement les choses comme ça, là, moi, franchement, je n'ai pas confiance en lui. Hein. Je n'ai pas confiance en lui. Parce que quand je regarde aujourd'hui tous les Ivoiriens qui pleurent, les Ivoiriens qui ont mouru, les Ivoiriens qui se suicident, les Ivoiriens qui sont au chômage, les Ivoiriens qui tirent le diable à la queue, qui ne mangent pas, les Ivoiriens qui sont fatigués de toute cette situation. Sincèrement, le politicien qui vient dire que tout va bien au pays, je vais dire qu'il est malhonnête.
Bon, mon frère Bouakwasi, oui. Nous sommes à 44 minutes. Oui, on a... À mon avis, on a tout dit. On a tout dit. Vraiment, tu mérites ton nom. Tu mérites ton nom. Bouakwasi l'indigné. Et puis, rapidement, un petit passage au niveau des commentaires. Vraiment, tu fais du bien aux gens. Hein? Et vraiment, les gens, Massim Grandobi, t'envoie des cœurs, Yolande Ondjoa, tu dis tellement de vérité. Lorraine Palou, c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est ma maman, elle ça. Était en face. Elle allait se dire sur ton cou, peut-être même t'offrir des ailes de poulet rôti, comme c'est ce que tu veux. Donc, Max et Bill Lago, Eddie Delenou, voilà. Donc, je globalement, c'est ça. En conclusion, si tu insistes même, on va conclure et puis lancer une autre vidéo. Oui. Non, on conclut, c'est bon ça. On conclut, on va quitter là. En conclusion, si je te donne, si je finis que je te donne la parole, c'est pour que conclure. En 10 minutes, tu dis. Non, voilà. En conclusion. 3 minutes. 3 minutes. Ah oui, est-ce que je vous l'ai dit en 10 secondes. Je vous l'ai dit en 10 secondes. Non, en 1 minute. Dans 1 minute. Parce que si tu veux, on va relancer une autre vidéo parce qu'il y a des thèmes intéressants. Il y a des thèmes intéressants. Il y a la dernière chanson de Tikenja. Si on finit, je vais te briefer. D'accord. Et je vais finir de te briefer même là. Tu vas dire, hey, allons faire deuxième vidéo. Parce que tu non, as j'ai encore... un rendez-vous. J'ai un rendez-vous. D'accord. C'est ça qui va sauver Tikenja. Donc, qu'est-ce qu'on dit en conclusion? Tu as à l'occasion de la fête de l'indépendance, une fête d'ailleurs que désormais on doit appeler fête de la nation. À l'occasion de cette fête-là, il a fait une communication faite avec une prestance, mais le contenu, selon nous, est un peu à recadrer parce qu'on rentre dans une phase de combat, une phase de rupture. Donc il fallait adopter quand même ce langage-là de dénonciation de tout ce qui se fait de négatif dans la Côte d'Ivoire. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir participé à ce live. Vous étiez combien? Je note ici 38 personnes, c'était monté jusqu'à 43. Vraiment, merci pour tout. Et je laisse la parole au maître des lieux pour son mot de revoir maximum en 1 minute. Alors, je voudrais dire merci à tous ceux qui étaient là. Merci beaucoup pour les encouragements. Merci pour les commentaires. Je salue chaque personne avec le plus grand respect. Le grand frère Guy Lago et Guy Mignon et tout le monde, Lorraine Palou, tous ceux qui étaient là. Désolé, je ne pourrais pas citer tout le monde, mais je vais personnellement vous dire merci par rapport aux commentaires. Mais je tiens à dire à mes frères du PDCI-ADA que je ne suis pas contre vous. Sincèrement, je ne suis pas contre le PDCI. Je suis avec le PDCI-ADA. Je suis avec M. Thiam. Je suis avec lui. Sans problème, parce que si je n'étais pas avec lui, là, je n'allais même pas parler de ça. Je n'allais pas parler de ça, j'allais le combattre seulement, puis c'est tout. Mais si je dis ça, là, c'est pour que parce que je souhaite que les choses s'arrangent pour tous les Ivoiriens. Je souhaite voir tous les leaders politiques se mettre ensemble pour chasser ce RDR qui est le problème le plus important de notre pays pour le moment. Sincèrement, c'est tout ce que je souhaite. D'abord, voir un groupe d'Ivoiriens dignes, avec à la tête M. Thiam, le président Gbagbo, Soro Guillaume, Blé Goudé, Maman Simone Gbagbo et tous les autres, je souhaite les voir ensemble, unis avec le président Afim éventuellement, pour chasser ce RDR du pouvoir et enfin des Ivoiriens, comme il a dit lui-même, M. Thiam, dans sa vidéo, pourront s'asseoir à la table des négociations ensemble, dans tout le respect, et décider maintenant de la voie que le pays va utiliser pour pouvoir vraiment se développer, quel que soit le parti au pouvoir. Parce qu'on ne met pas la charrue avant les bœufs. C'est pas la démocratie qui est la priorité actuellement. La priorité, c'est l'urgence de récupérer notre nation de la main de ces bandits-là. Et après, maintenant, on va s'asseoir pour mettre les jalons ensemble, anti-ivoiriens, en toute souveraineté. Comme le président Thiam a dit, en toute souveraineté, les Ivoiriens vont se mettre ensemble et ils vont décider de comment ce pays-là va fonctionner. Et après ça, maintenant, on pourra faire des élections. Sinon, maintenant, ce n'est pas la démocratie, c'est un gros piège. Parce qu'on va faire des élections, on va retomber dans les mêmes conneries. Monsieur Thiam va gagner, Gbagbo va gagner, ceci, cela, et demain encore, on aura encore les mêmes emmerdes parce qu'il y a des gens qui tirent les ficelles depuis des guerres. Or,
si les Ivoiriens se mettent ensemble dans la vision de nettoyer le pays et de refaire des institutions dignes et fortes par des Ivoiriens, entre Ivoiriens, d'abord, signer le cahier de charge, donner ça aux populations afin que ces populations puissent les voter à un référendum. Vous êtes d'accord ou pas? Quand la population a décidé que oui, on est d'accord, ça devient effet de loi automatiquement. Si c'est le PDCI qui prend, il va respecter ce qu'on a dit. Si c'est le PPACI qui prend, il va respecter ce qu'on a dit. Si c'est Soro Guillaume qui prend, il va respecter ce qu'on a dit. Si c'est tant un cabri ou un mouton qui prend, on va respecter ce que les Ivoiriens se sont dit depuis le départ. Or, là, actuellement, c'est impossible parce que c'est quelqu'un de l'extérieur qui dicte ces lois. Et maintenant, quelqu'un à l'intérieur de nos pays agit en fonction. Et qui souffre, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Donc, je demande à tous les politiciens de se mettre ensemble parce que c'est ce que moi, je souhaite voir. C'est ce que Zoku Malagi veut voir. C'est ce que tous les Ivoiriens veulent voir pour avoir la force. Quand ils vont voir tous ces leaders politiques ensemble, unis, le pays nous appelle rassemblement. Quand on les verra ensemble, vous allez voir que toute la population de Côte d'Ivoire va sortir comme un seul homme pour foutre ce RDL à dehors. Et maintenant, on pourra régler nos problèmes entre nous. Voilà de quoi il s'agit. Monsieur Boakwasi, peace.